Bonjour à tous, ici Doreen Assad, mairesse de Brossard. Chaque année, le congé de relâche marque la fin de l'hiver. Et je le sais, on a hâte parce que ça nous indique que le printemps est à nos portes. Mais avant de ranger vos bottes et mitaines, je vous inviterai à profiter de notre belle ville en famille. Vous pouvez patiner sur l'une des 22 surfaces glacées à travers la ville, glisser ou partir en randonnée de ski de fond à quelques pas de chez vous, au centre de plein air ou bien au grand parc urbain. De plus, je vous le dis, le festival se continue en prolongation durant la semaine de relâche. C'est des bonnes nouvelles! Les animateurs feront la tournée des patinoires extérieures pour égayer votre sortie familiale. Au grand parc urbain, il y a un artiste sur neige qui va vous attendre pour embellir le parc d'immenses flocons de neige colorés. C'est vraiment quelque chose à ne pas manquer. Je vous rappelle également que le concours Bonhomme de neige sous le thème des couleurs du monde est toujours en vigueur jusqu'au 7 mars. J'ai tellement hâte de voir vos photos. S'il vous plaît, allez à brossard.ca/festival. Ça sera vraiment de toute beauté. Mais je le sais, la température peut nous jouer des tours. On l'a vu dernièrement et donc, je suis ici à l'intérieur de notre fameux centre aquatique. Oui, il y a des activités intérieures. Vous pouviez en profiter dans le cadre d'une baignade libre. Bien, vous pouviez patiner à l'intérieur de l'aréna Michel Normandin à quelques pas d'ici ou le complexe sportif Bell, où vous pouviez pratiquer un sport de raquette en famille. En tout cas, les options ne manquent pas, mais il faut quand même aller réserver sur le site web de la ville à brossard.ca/activité. J'ai pas oublié la bibliothèque de Brossard-Georgette Lepage. Une semaine remplie d'activités virtuelles pour nos tout-petits 5 à 12 ans. Vous pouvez aller voir ça sur le site web également. Donc, arrêtez de m'écouter. C'est le temps de sortir, en profiter. Bonne semaine de relâche. À bientôt et amusez-vous. Merci.